Netflix mettra demain en ligne la saison 2 de Lock and Key. À cette occasion, Allociné vous fait un petit résumé des épisodes précédents et vous révèle ce qui vous attend dans cette suite. Précédemment dans Lock and Key, après le meurtre de leur père dans d'étranges circonstances, les frères et sœurs Locke emménagent avec leur mère à Key House, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s'éveille. Echo ou Dodge, la Isla de Oliveira, de son vrai nom, n'a qu'une idée en tête, mettre la main sur toutes les clés, quitte à faire du mal à une personne ou deux. Quand la fratrie Locke découvre ce qu'elle a derrière la tête, ils vont tenter de s'en débarrasser. Dans le dernier épisode de la saison 1, ils se rendent donc dans les caves de Drowning où se trouve la porte noire, un passage vers le monde des démons. Une fois ouverte, ils s'empressent d'y envoyer Dodge. Mais en refermant la porte, Eden est touché par une déflagration lumineuse. Les Locke pensent alors s'être débarrassés de leur redoutable ennemi, mais on découvre après coup que la jeune femme a pris plus tôt dans la journée l'apparence de Gabe grâce à une clé et que c'est Ellie, la prof de gym jouée par Sherry Soames, qu'ils ont envoyée de l'autre côté. Quant à Eden, elle est désormais contrôlée par un démon. Ce qui vous attend dans la saison 2, la saison 2 explorera un peu plus l'histoire des clés et leur mythologie. Cette origin story qui s'annonce passionnante nous fera voyager jusqu'au 18e siècle, en pleine guerre d'indépendance. Elle permettra l'introduction d'un nouveau personnage, joué par Kevin Durant, que l'on aperçoit rapidement dans la bande-annonce. Plus globalement, de nouvelles clés devraient faire leur apparition dans ces nouveaux épisodes. Dans les comics, il y a notamment une clé qui rend géant, une clé qui permet de voler, une autre qui te donne une force surhumaine, la forme d'un animal et même une clé qui te permet d'aller sur la lune. On ne sait encore lesquels apparaîtront en saison 2, mais on a hâte de le découvrir. D'après Decider, qui a eu accès aux épisodes en avant-première, contrairement à l'auteur de ces lignes, la saison 2 de Lock and Key sera plus effrayante que la précédente, parfait en cette saison d'Halloween. Les Locke seront plus que jamais en danger alors qu'ils continuent de découvrir des clés et leurs pouvoirs. Il faut dire aussi que le temps joue contre eux. Rappelez-vous, les adultes ne peuvent voir la magie des clés. Alors que Tyler, Connor Jessup, approche de ses 18 ans, il oubliera très prochainement leur existence. Lock and Key saison 2 teaser VF de nouveaux personnages outre Kevin Durant, cette saison 2 de Lock and Key accueillera aussi Brenda Lynn, Lee To Me, dans un rôle encore tenu secret et Lee Waber, The Boys, en tant que guest. Quant à Aaron Ashmore et Alea Jones Eden, ils ont tous les deux été promus à un rôle de régulier. Le premier devrait d'ailleurs venir s'installer dans la demeure des Lock pour aider les enfants et une Nina toujours en deuil.